l'aventure musicale ne s'arrête pas à la Star Academy 2023 pour les candidats. Trois d'entre eux étaient d'ailleurs en concurrence. Mais qui a remporté la guerre après bientôt deux semaines? Cela fait déjà plus d'un mois que la grande finale de la Star Academy 2023 a été diffusée, sur TF1. Une édition remportée par Pierre Garnier, qui cartonne depuis avec son single « Ce qu'on était », sorti le 7 février dernier. Depuis, les demi-finalistes Julien, Axel et Elena ont également eu l'occasion de dévoiler leur premier morceau. Mais qui peut se targuer d'être sur la première marche du podium? Elena en tête avec son premier single, Michael Goldman le leur avait annoncé lors de l'aventure. Les demi-finalistes auraient la chance d'avoir un single qui les attend à la sortie. Si Pierre Garnier avait déjà le sien avant d'entrer au château et qu'il a eu le bonheur de le sortir peu après sa victoire, ce n'était pas le cas d'Elena, Julien et Axel. Ainsi, après leur élimination, les trois anciens élèves ont eu le plaisir de découvrir leur premier single. À l'occasion de son anniversaire le 19 février dernier, Elena avait dévoilé un extrait de son single « Aimé pour de vrai » sur Instagram. Et ses fans étaient déjà conquis. Ils étaient d'ailleurs au rendez-vous le 1er mars dernier lors de la sortie de son single. Ainsi, la jolie Belge de 22 ans est 37e du classement comme le dévoilent nos confrères de Purchar grâce à ses 1,26 millions de lectures, 1,14 millions d'écoutes en streaming et 803 téléchargements. Elena peut ainsi se vanter de signer la troisième meilleure entrée de la semaine. Le 1er mars, Julien et Axel ont aussi dévoilé leurs morceaux. Le premier a eu le plaisir de partager comme tout le monde qui a touché 619 000 fans, 473 800 écoutes sur les plateformes de streaming et 972 téléchargements. Il est ainsi sur la deuxième marche du podium car Axel est sous la barre des 478 000 streams, chiffre qui représente le 200e du classement, avec Chante. Il est ainsi bon dernier, mais rien ne dit que le classement ne va pas évoluer. Quoi qu'il en soit, tous profitent de la tournée Star Academy 2023 qui a débuté le 9 mars, au Zénith d'Amiens. Pierre, Elena, Axel et Julien peuvent chanter leur single en plus des titres qui ont marqué leur aventure. Lenny, Candice et Djibril sont également de la partie.